Salut tout le monde, 73-51, Dundee 33, 14, bravo Charlie, 33-01. Voilà, avec un tout nouveau poste, le président Georges II. Donc je suis allé le chercher ce matin, et franchement, il est pas mal. Bon, on n'a pas eu le temps de le tester au magasin. Vous verrez après dans la seconde partie de la vidéo, sur le retour du magasin, comment il fonctionne en mobile, quoi. Alors, découverte. Test de connexion. Alors, le bip de touche a déjà été enlevé. Validé. Alors, bon ben, volume, squelch, bien souvent c'est ensemble. Prise USB, 5 volts. Là, comme sur tous les nouveaux postes, le mode, avec une particularité, les fréquences anglaises qui sont avec. Alors là, il est en version débridée, donc on a tout. Hein. Alors je sais pas, peut-être que en le branchant sur un PC, on doit pouvoir désactiver les fonctions qu'on veut pas, quoi. Je pense que ça va être possible, sinon, ben, deux fois FM. Alors, ce qui m'étonne, c'est que le filtrage n'est pas le même. Ah, si. Bon, ça dépend du moment. Bon, USB, LSB. Alors, je vois que la position PA n'apparaît pas dedans. Alors, ça doit être certainement... Je n'ai pas testé, parce que je le vois de marqué là sur la sérigraphie. Donc, ça doit être peut-être un coulon dessus. Possible. Bon, c'était CSS. Pour ceux qui veulent être en privé, pourquoi pas. C'est pas dans mon esprit de la CB. Là, je n'ai pas testé. Ici, les filtres. Ben ça, vous verrez ça dans la deuxième partie de la vidéo. Justement, là, j'ai fait une petite démonstration. Bon, ben là, je suis sur charge fictive. Hein. Donc, évidemment, filtre ou pas filtre, ça n'a pas fait une grande différence. Quoique, je dis peut-être une connerie, parce que là, ce qu'on voit là, c'est des QRM attrapés ici au QRA. C'est là où je suis, c'est un nid à QRM. Alors. Ah si. Ah si, on sent quand même la différence. Alors là, donc là, on a trois filtres, NB, ANL, HIQT, plus le NRC qui est très bien. Alors suivant la couleur, là je l'ai en RX, là je l'ai en TX, et là les deux. Bon, de toute façon, ça, ces détails-là, on les a déjà vus dans les autres vidéos. TP, je n'ai pas testé. Pas encore. Il faut que je voie le mode d'emploi avant. Ça fait quoi? Je ne sais pas. Il faut que je voie le mode d'emploi. Alors, pour basculer en zéro, eh bien, c'est très simple. Deux fois, deux coups rapides sur F. Et là... Vous voyez, 27-330. 27-335. J'ai pas le temps de regarder comment basculer. Là, je tourne que sur les 40 canaux. Donc, je suis pas en mode VFO, mais en mode balayage canaux. Donc, il va falloir que je regarde sur le mode d'emploi ou sur des tutos. Sur internet, sur comment faire. Bon, les copains y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. L'écho. Alors, les réglages, un coulon dessus.
Level pour le volume. Je l'ai mis à 18. Là, le délai, je l'ai mis au maximum. À chacun son réglage. Tac, il y a un coup de micro pour l'enlever. Alors, non, je recommence. Là, j'y suis. Délai, réglage, on choisit. Tac, là, on règle comme on veut. Je valide. Un coup de micro et je sors. Donc là, OK. En BLU, évitez. Hein. Parce que même le volume mis sur 1, en BLU, il reste encore trop fort. Vox, eh bien ça, c'est pour la commande Kitmain Libre. Faut voir un peu après les détails sur la doc. Alors, je préfère regarder la doc qui est sur Internet hein, plutôt que le petit manuel qui a en français, il y a quoi ? Il y a, si on écarte la partie branchement, on se retrouve avec une, deux, et bien voilà, deux pages. Bon, ça fait un peu léger par rapport à tout ce que l'on voit là sur la doc Internet, là directement chez Président. Voilà, là, on la voit. Donc, voilà, comme on voit là, à l'écran, on a... Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, enfin bon, bref, et ainsi de suite. Et c'est déjà plus complet. Sur le forum, pareil, il y a un truc de mi là-dessus, la planète Sibi francophone. Je crois qu'il y a quelque chose comme 23 menus. En plus des fonctions de qu'on voit en façade. Voilà les menus. Un coulon dessus. Voilà. Alors, ah oui, bah tiens, puisque je tombe directement là. Ici, eh bien, ça permet d'afficher ce que l'on veut ici. Là, je vais passer en émission. Tac, on a le niveau de taux, ce qui se met. À l'origine, par défaut, c'est fréquence RX, fréquence TX. Moi, je préfère avoir un suivi permanent du taux, comme ça, le directement sur le poste. Alors, je retourne dedans. Scan mode channel, je n'ai pas testé. Il n'y a pas grand-chose que j'ai testé dedans. PA, ça sera, je ne sais pas, faut, qu'est-ce que ça me met. In, off. Je sais pas, je vais laisser comme ça pour le moment. Ah oui, micro. Là, je suis avec un micro Electrade. Micro d'origine, donc Electrade. Le réglage du tous. Voilà. Là, on est en train de voir. Et sur le wattmètre à côté, on voit qu'il passe en émission par intermittence. Bon, là, évidemment, je suis sur charge fictive. Ça et là ça permet de oui voilà, comme on voit là sur le WebSDR, on voit des émissions qui se font par intermittence. Alors je sais pas, je casse une opinion là dessus je vais l'arrêter parce que ça me casse les oreilles. Voilà, c'est, je sais pas, moi je préfère, je suis plutôt de la vieille école à ce niveau là donc à voir. NRC, ah bah oui, voilà. Alors, soit un coulon dessus, pour avoir la même chose, soit directement par le menu. Code sec 7, ça doit être, je pense, pour le CTCSS, un truc comme ça. Là, je sais pas. Je sais pas non plus. Split, ah bah split, c'est duplex, si je me trompe pas. Là, je connais pas. Bande. On peut renommer la bande. C'est...
Tac, voilà. Voilà, on peut la renommer. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que président a un classement des bandes un peu particulier. Alors, volume ACC, je connais pas. SWR protection. Alors, par défaut, il est mis à 3. J'ai descendu à 2. C'est bien suffisant. Le voltage, bon, de toute façon, le poste va être dans la voiture. Donc, vaut mieux qu'il reste à 16. Pouvoir limitation, au choix. Là, je suis en 4 watts, mais 4 watts partout. C'est pas mal pour entrer dans un ampli, mais après, ça dépend des amplis. Il y en a en BLU, c'est 20 watts maxi. Donc, 4 watts d'entrée, ça fait un petit peu léger pour en BLU. Alors, donc là, je laisse comme ça. Recette, bon, on a compris. La couleur. J'aime bien celle-là. Alors, l'intensité est réglable aussi. Hein. Tiens, le voilà. Là, voilà l'intensité. Pour l'instant, je laisse à 5, je verrai ça à l'usage dans la voiture. Tonne. Ce ne serait pas des fois le... Un an. Tonne pour tonalité. Mais en réception. Donc, à tester. Là. Voilà. Je préfère l'enlever. Roger Beep, je crois que... Oui, il y a 6 niveaux. Bon, j'ai mis le 2. Chacun de voir. J'aurais préféré qu'il y ait avec un simple beep parmi le lot de beep. Scan mode. Scan type. Après, je sais pas, faut fouiller. Ah ben là, on est en train de tourner en rond. Alors, je vais me le positionner. Ouais. Hop là. Ouais, je tombe directement dessus. Alors, le réglage de la puissance. On appuie sur le micro. Voilà, un coulon. Non, même pas, c'est même pas un coulon, c'est un coup rapide. Alors là, il est débridé, donc 10 watts AM. Là, ok, ça correspond. Tiens, je m'entends dans le retour de truc, du voie BSDR. Donc, il est 10 watts AM, 10 watts FM et 35 BLU. Voilà, c'est. Il y a aussi l'autre solution, 35 FM, 35 BLU. Mais attention, les PA risquent de griller. Donc, 10 watts AM, FM et 35 BLU, c'est très bien. Donc là, eh bien, 10 watts. Moi, pour ma part, je suis pas trop pour faire chauffer les PA. Je vais plutôt descendre à 5 watts et rentrer dans l'ampli comme ça. Donc 5 watts, là voilà, ouais, on voit là sur le wattmètre, bon il n'est pas très précis comme wattmètre à côté, hein. Est-ce que, voilà, c'est peut-être mieux là, non, oui, enfin bon bref, alors, ouais voilà, comme ça, là comme ça, ok, et donc là, eh bien 5 watts, alors, ok. Tac, tac, tac. Et je cherche. Un, deux, trois. Ou un, deux. Ça va être mieux comme ça. Ok, on a 10, 11 watts, on est là. Et là,
un de ces quatre infarcts, je pense, avoir cette plus près. Ah ben non, il n'y a pas de réglage dedans, de ces petits trucs-là. J'en ai un autre à côté, j'ai eu la flemme de le brancher. Ok. Bon, ça, ça a l'air d'être bon pour moi. Comme ça, pour entrer, dans l'ampli qui est dans la voiture, ça va être nickel. Alors, j'ai pas un ampli pour faire le beau. J'ai un ampli pour, ni pour saturer ou quoi que ce soit. J'ai un ampli pour, en émission, d'être à égal des grosses stations fixes. C'est-à-dire que, avant, quand eux m'arrivaient encore avec un Santiago 8, eux me commençaient à me perdre. Bon, je parle du temps où j'avais le 3009 de la voiture. Du jour où j'ai mis l'ampli, bon, c'est resté égal. J'en veux pas plus. 1, 2, 3. Voilà, ok, on a le retour. C'est bon. Bon, évidemment, j'ai l'ordinateur qui est juste à côté, donc ça fait un petit peu de retour. Hein. Mais bon, ça fonctionne. Alors, en attendant de trouver l'astuce sur comment... Voilà. Passer directement en sup, là, comme ça. Un coulon sur moniteur. Tac. Voilà. Et là, je suis en sup. Alors, l'affichage de la fréquence, il est un peu plus visible que sur le Lincoln 2+. Donc, c'est déjà ça de gagné. Alors, d'un premier temps, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Pas grand-chose. Si ce n'est que... Eh bien, maintenant, il faut que je potasse le bouquin. Ouais. Alors, un coulon dessus. Alors, cette histoire de bande est un peu perturbant dans le sens où, quand on prend un vieux poste, un 3009 ou tout ça, la lettre A, c'est en aucun cas les 40 canaux homologués. Mais bon, de toute façon, dès que j'aurai découvert l'astuce... Pour être directement en mode VFO, ça sera plus pratique. À moins que... C'est quoi ça? Moi, pas connaître. Ah non, c'est pas ça. Tiens. Voilà. Je sais pas, 27 625. Tac. Double coup rapide sur F et je suis en terminaison 0. C'est rapide. Tac, voilà. Alors. Ah oui, les alphas, eh bien ils apparaissent direct. Ça c'est bien pratique. Dans les précédentes vidéos, on me voit justement en train de plusieurs fois de tester, de regarder quand je suis sur le 19. Là, plus besoin, il y a le petit A. Là, un coup d'œil rapide, et ce sera tout bon. TP, c'est quoi TP? Alors, TP. Je ferais peut-être mieux d'aller regarder sur ce que j'ai mis sur le forum, à moins que là, ça me sorte. TP. Par rapport au bouquin. Alors, TP. TB, pardon. TB 13. Alors, 13. Talc back, mais bien sûr.
Alors. 13 à Talbakken. Alors, cette fonction permet d'entendre votre propre modulation dans le haut-parleur. Ah, bah tiens. 1, 2. 1, 2, 3. Ok. Et je suis censé m'entendre où? Il faut brancher un haut-parleur extérieur. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Pourquoi je ne me suis pas entendu dans le web? Je crois que j'ai compris. 1, 2, 3. Ok. Comment je suis réglé là? Ah oui, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Lock, un coulon dessus, tac, voilà, là, il n'y a plus rien qui est, voilà, error, coulon, tac, l'anti-bavard, il va falloir que je regarde si des fois il n'y a pas un truc demi, que je comprenne comment il fonctionne. Alors déjà dans un premier temps, c'est déjà pas mal, je crois, au niveau de la découverte, l'écho, ben ça on l'a vu, ah oui, NRC, un coulon, tac, voilà. On choisit TX ou RX. Alors, RX, on va de 1 à 5. TX, même chose, de 1 à 5, tout pareil. Alors, j'ai mis 3 comme ça là pour tester. Je vais regarder un peu les vidéos des copains sur YouTube, voir un petit peu comment eux ont réglé. En RX, hein, beaucoup mettent sur 3. Hein. Ça leur ressemble pas mal. Quoi. Eh bien, c'est un joli petit poste. Il reste plus qu'à. Bon, ben, pendant que vous allez regarder la suite de la vidéo, moi, je vais aller l'installer dans la voiture. Ah oui, le gabarit. Alors, le gabarit, par rapport au trou que j'ai fait dans la voiture... Eh bien, au niveau de l'étrier, il se situe entre un 3009 ou 7009, pour ceux qui connaissent mieux la largeur du poste, et le Lincoln. Puisque les trous là, de l'étrier, ben, sur un côté, ça vient entre les deux, quoi. Entre les anciens trous et les précédents. Donc, eh bien, on va faire ça. Bonne continuité de vidéo pour la suite et à la prochaine vidéo. Mobile ou fixe, je sais pas. Ça sera surprise avec la propague ou les QSO au moment présent. Donc ce sera peut-être ici ou ailleurs. Bon visionnage de la suite de la vidéo sur la route. Et voilà, nouveau poste. Là, je sors de chez Silicon Radio depuis sa deuxième adresse, là, sur Bordeaux Nord. Alors, là, il est posé à l'arrache, hein, là, comme ça. Hein. Il tient que par deux vis, le carton au cul. Le pied de la caméra qui me le bloque contre la console. Donc il va peut-être y avoir des vibrations de la caméra. Alors du coup j'ai pas regardé là, au niveau du fonctionnement. J'ai juste enclenché les filtres. Je suis assez étonné par le filtrage. Je vais où? Non, c'est pas là que je vais.
Ah, je suis dans mon ancien quartier là du coup. Quand je suis arrivé sur Bordeaux. C'est-à-dire sur Bordeaux-Bacalan. Qu'est-ce que ça a changé ici, hein ? On entend gazouiller derrière. Hein ? Ça fait un petit peu aquarium. Alors il y a le bon, comme on voit là à l'écran, j'espère, le filtre NB à Enel, le HIQT est enclenché, le NRC est mis en réception là pour le moment. Sur la position 3, il y a 5 positions. Ouais, je reverrai, désolé là si ça bouge. Hein. Je reverrai la. Je referai une installation propre, une fixation propre rendue à la maison. D'accord, ici c'est une place. Putain, j'ai habité sur la gauche de la place, un petit chalet. Oh, je reconnais plus rien, moi. Tiens. Alors, première impression, oui, c'est le poste CIBI à acheter. Ah, il n'y a pas photo. Bon, il y a pas mal de vidéos déjà de faites sur Internet, hein. J'adore ce poste. Ah, on a les reflets. Ce bleu au niveau visuel m'intéresse. Après, c'est à voir sur la caméra ce que ça donne. Là, c'est bleu ciel. Enfin, pas le ciel d'aujourd'hui parce qu'il est gris. Ah oui, on entend tout. Alors pour ceux qui mettent en route là, des vieux postes, hop, il s'est barré, voilà. Pour ceux qui mettent en route les vieux postes, ils ont raison, hein. Ça je dirais pas le contraire, hein. Pour le côté vintage. Par contre au niveau filtrage, eh bien les QRM d'autrefois que les vieux postes filtraient très bien, eh bien aujourd'hui la donne a changé. Hein. Depuis, il y a des nouveaux QRM et il faut le HIQT et maintenant le NRC en plus. C'est une obligation. Qu'est-ce qu'il me fait? Il va où? D'accord. J'adore les gens qui se mettent à gauche pour aller à droite et qui n'utilisent pas leur clignotant. Allez, ça c'est gratuit. Attention les stations fréquences pour Dindé 33 qui l'on s'appelle depuis Bordeaux-Lac, hein, au Champ-Lac. Ouais. Au niveau filtrage, là on relâche le micro. Je reconnais le même effet de filtrage que le DSP que j'ai de brancher en plus sur le poste à la maison. Et dire que j'ai failli me racheter un autre DSP, un autre filtre DSP pour le push, un haut-parleur, pardon, DSP, mais là, il n'y aura pas besoin. Attention, station fréquence, c'est pour Dindé 33 qui l'on s'appelle depuis Auchanlac.
je lance l'appel là, mais bon, il est midi 25. Hein. Alors je suis arrivé à Silicon Radio, il était 10h moins 10. Hein. Il est trop cuéro comme OM. Quand vous allez chez lui, c'est mort. Et puis bon, quand on est passionné, hein, on papote. Alors je vais voir si je trouve une connerie là à Noroto. C'est peut-être pas gagné l'affaire. C'est quoi ça? Non, c'est électrique. Eh bien, il n'y a plus que... Ah bah tiens, ça y est. Que je laisse passer. Alors, là où je suis, il y a beaucoup de QRM. Donc ça va être l'occasion. Je vais essayer de bloquer un peu la caméra pour qu'on voie bien. Alors, j'enlève déjà ça. Ça. Et là. Là, on voit la différence. Je crois que là, ça se passe de commentaires. Hein. Ah oui, qu'est-ce que ça vibre. Ouais, ça se passe vraiment de commentaires au niveau filtrage. Allez, je reviens. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Puisque tout le monde est au casse-croûte. Ouais, donc puisque tout le monde est au casse-route, normal, il n'y a que moi qui ne suis pas, c'est pas grave. Bon, j'irai mieux ce soir, assis trois coups. Et bien, j'ai basculé directement, baby. Alors, il faudra que je regarde la manip. Puisque là, comme ça, là, d'origine. Putain, la qualité du son. La vache. Ah ouais, il pète tous les autres postes. Ah, deuxième fois que le poste se barre. Attention, hello frequency, any propagation? Alors, pour ceux qui me disent, qui me posent la question, est-ce que tu vas pas regretter ton achat par rapport au Lincoln 2 Plus? Eh bien, la réponse est non, et là, j'en suis sûr. Après, comme tout nouveau poste, eh bien, faut apprendre à l'utiliser. Hein. Faut regarder le bouquin, faut regarder les tutos sur Internet, les vidéos aussi. Parce qu'il y a des petites astuces et tout qui permettent de se faciliter le fonctionnement. Il faut regarder tout ça.
Alors là, par rapport, même si je suis en affichage bleu, quand on arrive à un certain âge, on a la vue qui baisse un petit peu. Donc un affichage clair, on y voit toujours mieux que foncé. Là, comme ça, en bleu, sur le Lincoln de plus, j'aurais du mal à voir la fréquence. Là, par contre, j'arrive à la voir. C'est, oui, 27.555, oui, je la vois. Oui. Alors lui, là, en façade, il dit tout, hein, le voltage, tout. Hein. Alors la seconde même, je ne sais pas comment aller sur les zéros. Je verrai ça à la maison. Ah oui, voilà, là je dois être un... Waouh! Ça c'est fait la bise! Voilà ce que c'est quand on est au téléphone, une connerie comme ça. Enfin, ça c'est fait la bise. N'importe quoi. Il s'est fait sodomiser. Alors, 27.625, ok. J'ai entendu personne. Je vais attendre d'être sur le pont. T'as écouté ce filtrage qu'il y a, sans déconner. Alors que je suis en plein QRM. Dans ce secteur, c'est toujours saturé de QRM. Voilà, pour le moment, je me fiche de qui l'on s'appelle. C'est surtout pour la qualité du poste. Vous cherchez un poste, alors sans hésitation. Là, je peux m'avancer dessus. Là, sur ces quelques minutes d'utilisation, le George 2 est vraiment super. Et c'est un vrai poste CB. Je crois que j'ai fait une connerie, là. Ouais. Zette. D'accord, c'est que DX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 qui propose la QSY sur le 27 625. 27 625. C'est que DX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis la montée du pont d'Aquitaine, le sud-ouest de France. CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le pont d'Aquitaine. Alors, essai. Ah oui, oh putain, oui, ça pousse.
Alors, petit truc, par contre, avec les postes de nouvelle génération, la plupart ont tendance à consommer. Hein. Donc, attention quand vous êtes le moteur éteint. Ah mais je suis pas là où il faut moi. Attention les stations fréquences pour dernier 33 qui lance appel depuis la montée du pont d'Aquitaine. Bon alors les stations qui prennent le pont d'Aquitaine, bon ça ralentit pas mal dans la montée puis après ça se débloque vite. Et c'est tout cuit au deuil de sens. Les 73-51, bon après-midi. Je rate pas trop le sur quelle fréquence je suis. 685, c'est bon. C'est l'XYL qui va être contente. Il n'y aura plus que ma grande gueule à mettre en sourdine quand je prends le micro. Qu'est-ce que je fais? J'en sais de rien ce que je fais. Ah, c'est brouillon, hein. C'est pour ça qu'on voit qu'il faut vraiment prendre le bouquin. Ok, je suis bon. CQDX, appel de 14, bravo Charlie 3301, qui lance appel et propose un QSY sur le 27-625. 27-625. CQDX, appel de 14, bravo Charlie 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, la ville de Bordeaux. J'ai pas regardé hein, comment basculer sur les zéros. Hein. Quand j'ai vu l'heure, je me suis dit oulala.
avez vu quand on passe sur les alphas, il y a un petit A qui s'affiche. Ah oui, cette qualité d'écoute. Alors, ce qui est un petit peu perturbant, c'est trouver la bande UK de Miavec. Alors, pour ceux qui branchent, qui ont le cordon pour le brancher sur un ordinateur, je sais pas, peut-être qu'il est possible de l'enlever, aucune idée. Alors, j'essaierai pas puisque j'ai pas le cordon. Ouais, comme ça. Avant, je cherchais là, quand je suis sur le 19, à bien voir si j'étais sur le 19 alpha ou le 19 normal. Avec ce qu'il y a en plus, plus de problème, plus de doute. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Voyons ça. D'accord. Bon, bah, c'est très simple. Alors, sur le groupe La Planète Sibi francophone, il y a une astuce hein, pour pouvoir passer directement là, des Normands en sup hein, sans s'embêter par avec les lettres. Hein. Et il faut. Ouais, on va faire connaissance tous les deux. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. Waouh. Là, on parle de Sibi, là, avec un poste comme ça. Merci, Président. Vous avez fait quelque chose de beau, là. Même au niveau technique, je crois que dans le menu, si j'ai bien vu, il y a 23 réglages, en plus de tout ce qu'il y a en façade. Attention, les stations fréquences pour lundi 33 qui l'on s'appelle depuis le Bordeaux-Ouest. C'est le mode VFO qu'il faut que je cherche. Ouais, c'est ça, oui. Et voir pour déplacer. Alors, il y a plusieurs astuces qu'il faut que je trouve. Comment basculer en sup sans avoir besoin de changer de lettre. Comment. Parce que par le bouton. Je ne sais plus si c'est TP ou F. Quand on appuie dessus, on peut basculer directement sur les zéros. Faut que je vois le déplacement de la virgule. Ouais, ouais, ouais. Vu le canal, il y a des chances que ce soit des convois exceptionnels, des trucs comme ça.
ou des habitués. Alors, du côté routier, la CB est pas mal devenue un radio-téléphone. Ils se mettent tous sur leur canal habituel et ils n'en bougent pas. Là, on voit que c'est une utilisation professionnelle, quoi. CB utilitaire, quoi, autrement dit. Ah, là aussi, il y a quelque chose. On a entendu un retour bip. Ah, ça papote derrière. Hop là, il y a un caillou sur le pare-brise. Je dois être en Alors comme ça, qu'est-ce qui lui manquerait, vu la technicité du poste, je sais bien où, ouais, c'est un micro avec davantage de commandes reportées dessus, comme alors je n'ai pas retrouvé de nom, il y a un poste comme ça, AM ou AMFM, je ne sais plus. Où c'est le cas, tout est reporté sur le micro. Et bien là, en double des commandes du poste, avoir aussi un report de pas mal de fonctions dessus. Comme basculer sur les zéros comme ça automatiquement depuis le micro. Des trucs comme ça par exemple. Voilà, de suite, là, je sais pas comment faire là, pour aller sur les zéros, c'est pas grave. Là, le camion, il me balance un parasite, je sais pas ce que c'est. T'as ce silence, on pourrait dormir à côté. Quoi. Là, je parle du filtrage. Comment peut-on ne pas aimer ce poste? Alors je vais radoter, mais il faut bien potasser le bouquin, bien regarder les tutos et tout, pour bien apprivoiser le poste. Parce que là je l'ai branché direct et puis c'est tout, j'ai même pas regardé le bouquin. Silicon Radio m'a montré les fonctions de base comme ça, vite fait. Juste là pour le temps de démarrer, de faire une petite vidéo comme ça à l'arrache. Cet après-midi, je vous laisse deviner sur quoi je vais être.
Alors, j'espère que ce bleu passe bien à l'écran, à la vidéo. Je l'aime bien. Au niveau calage en fréquence, il est bon, hein. Mais il faut garder à l'esprit que ça reste du petit poste. Il n'y a pas de... Je veux dire par là que ceux qui sont habitués maintenant à des gros décamétriques, il faut bien remettre les choses à leur place. La qualité et les trois, entre guillemets, les trois tonnes de composants qu'il y a dans un décamétrique ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc il peut y avoir une petite déviance de fréquence, c'est rien. Ça va être du coup de aller à peut-être 50 Hz ou peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Je dis 50 Hz parce que c'est le cas de Lincoln 2+, sorti d'usine. Hein. Mais c'est rien, ça, on chipote pas là-dessus. Et puis tous les postes sont équipés de toute façon, même des décamétriques de clarifieurs. Donc ça déjà, ça règle le problème. Ouais. Ah oui, ben non, le volume il est bien monté quand même. Bon, si lui on l'entend, c'est qu'il y a de la propague. Mais hein. Vous êtes où? Attention à la station fréquence pour Dindé 33 qui lance appel en mobile depuis les environs de Libourne. Donc là, je suis à Antiboite. Il n'y a pas d'ampli, il n'y a rien, hein, parce que justement là aussi, il faut que je vois, faut que je fasse des tests. Alors dessus, il y a une position qui permet de, pour rentrer dans un ampli, de basculer automatiquement en 4 watts. Mais d'après les explications que j'ai eues, ça c'est 4 watts partout. En BLU, il faudrait bien 10-12 watts pour rentrer dans un ampli qui accepte le maximum 20 watts. Allez, je vais arrêter la vidéo là. Les 73-51. Et à plus sur ce poste ou au cuir. C'est la propague qui décide aussi avec.
Et puis le moment présent, surtout avant tout. Ouais, je sens que je vais bien m'amuser avec. Zut. J'aurais bien aimé voir s'il y avait de la propane du côté des USA, mais non, c'est plus vers l'est. Hein. Zut. J'ai entendu l'Amérique du Sud. Du coup, je vais aller... Attendez là, comment ça étrangle d'un seul coup là, au niveau QRM. C'est un filtre DSP, ça fait exactement la même chose. Là aussi, je suis dans une zone de QRM. On le voit dans mes vidéos précédentes quand je passe ici là dans ce village. Là, on entend les stations derrière. C'est QRP, hein, c'est sûr. Mais on les entend. C'est la FM. Voilà aussi.
Ah, je suis pas amateur de FM, hein. Ça m'explose les tympans à chaque fois. Et ça me déclenche de l'acouphone. Alors j'évite. Elle est pas très forte, mais elle est là. Attention, station fréquence pour Dindy 33 qui l'en s'appelle. Alors là, il est. Bah, comme de toute façon, vous l'avez vu, il est en version full. Sinon on n'aurait pas pu passer ensuite. Et au démarrage, on a le choix du pays pour les différentes homologations. Alors, c'est peut-être parce qu'il est en full que du coup apparaît les fréquences FM UK. Surtout, c'est peut-être pour ça. J'aime bien le réglage de son micro. Alors je suis sur le même haut-parleur que d'habitude, hein. J'ai pas vraiment besoin qu'elle arrive les stations. J'ai un petit peu le constat que je suis en train de faire là. Bon, mais non, ça veut pas dire grand chose. Hein. Bon, allez, j'avais dit que je QRT là. Et 73, c'est re 73, 51 tous. À plus tard. Encore un petit bout de vidéo. Là, il a installé dans la voiture, je suis devant la maison, c'est-à-dire dans une cuvette. Alors si je m'éloigne de la maison, ça va vite, très vite descendre. J'ai un nid à QRM là, ici.
Alors. Tac, et voilà, 0. Et je reste en 0 pour balayer. Alors, j'ai pas encore regardé pour déplacer la virgule. Voilà. Avec cette fonction là, tac, double coup dessus. À la limite, déplacer la virgule, je m'en fiche un peu quoi. Bon, vu l'heure, je vais pas aller me balader. Je vais plutôt me mettre à travailler la vidéo. Là, on voit que c'est du tout cuiré. Malgré les cuirons que j'ai ici au cuir. Hein. Alors là, j'ai entendu le Brésil. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai fait le tour. Zut. Pour il y a un réglage de tonalité. Ah mais c'est peut-être zut. Ah, il est où? Ah, là c'est aigu. Ah. Là, on élimine encore un peu plus le bruit aigu. Là, on les fait ressortir. Ouais, pas mal. Alors, non, la couleur. Ah, couleur, voilà. Donc là, il n'y a personne, a priori. Et pourquoi je repasse plus bas? Allez, le filtre, fais ton travail, voilà. SWR 1-1. E1. Ah. Ok. Alors c'est bon. J'ai le micro qui doit être trop près du poste. Ça m'expose les tympans à chaque fois. Je vais m'attacher le bras, famille.
Ok, nickel. Ah, ça, je sais pas ce que c'est ça. Et voilà. Bon allez, on arrête là, quand même. C'est ça la Sibie. Quand vous commencez à foutre les nez dedans, c'est fini. Alors, la caméra. Eh ben c'est bon. Elle est pas trop mal passée. Il faudrait que je vois en roulant ce que ça donne. Ok. Bon, on verra l'usage sur la couleur, sur tout ça. À peaufiner. Alors, par contre, là, le poste, je le laisse jamais comme ça. Et voilà. Un chiffon en double. Et c'est tout bon. Voilà, que je coince. Yes! Et bien voilà. 73-51. Oui, là c'est parfait. 73-51. A plus! Ce coup-ci pour de bon. Les 73-51 de la planète Sibie francophone.